nous défendons les droits des jeunes filles en luttant contre spécifiquement le mariage des enfants, que nous appelons communément le mariage précoce. Nous luttons contre les mutilations génitales féminines, les viols sur les mineurs, mais nous encourageons aussi l'émancipation de la jeune fille à travers son maintien à l'école. Mais nous menons aussi des activités répressives sur le terrain en jouant à la policière pour faire en sorte que la loi vraiment soit appliquée comme elle est indiquée dans le code pénal, dans le code civil et dans les conventions que la Guinée a ratifiées avant notre naissance. Lorsque nous sommes alertés, on appelle la police, on descend sur le terrain, on dit bon voilà, voici la loi qui interdit cela. Soit on prend la jeune fille qui doit être mariée, parce que souvent on nous alerte à la veille ou le jour J du mariage, on lui prend avec nous à la maison et puis après on convoque les parents à la police. Donc jusqu'à aujourd'hui on a pu empêcher plus de 30 cas de mariage des enfants. Si on nous qualifie de briseuse de mariage, on le fait pour le bien des filles. Donc il faut que les gens comprennent ici ce mot briseuse de mariage, que lorsque quelqu'un va prévoir un mariage d'enfant, nous sommes prêtes et nous sommes là pour briser ce mariage et nous allons tout faire pour le briser. On ne le fait pas illégalement, mais légalement. Il y a certains qui apprécient nos discours, mais d'autres personnes qui sont vraiment très, qui pensent qu'ils sont conservateurs alors qu'ils n'ont pas les bonnes informations et qui se sentent visés par nos discours aujourd'hui, nous menacent sur le terrain. Mais cela ne nous empêche pas de continuer le combat. Certes, des fois on nous a même pris en otage, des fois on nous a enfermés dans une cour où on nous dit qu'on ne sort pas. Toutes ces femmes aujourd'hui sont mutilées, elles sont réduites. Est-ce que ces femmes ont confiance en elles? Non, il faut se poser cette question. Pour que tu sois une vraie femme, il faut qu'on t'ampute, il faut vraiment qu'on te réduit. Est-ce que cette femme pensera qu'elle pourra apporter quelque chose de positif à sa communauté? Non, les autorités doivent être avec nous parce qu'ils ont pris des engagements au niveau national et au niveau international. Et nous, on les amène vraiment à respecter leur engagement. Ce n'est pas qu'une question de la Guinée, c'est une question mondiale. Si même aux États-Unis, on pratique les mutilations génitales féminines, en Colombie, on le fait. Partout dans le monde, on le fait. C'est d'être avocate. Les violences basées sur le genre continuent encore à s'accroître dans nos pays, c'est parce qu'on n'a pas encore une bonne justice. Et ça, je veux être avocate pour continuer à défendre les droits des femmes et des filles comme il le faut. Il faut qu'il y ait des femmes qui ont la passion, qui ont l'engagement, qui ont l'énergie et non l'argent devant pour mettre fin à ces violences.